Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour vivre la saison 2017 de Formule 1. Nous sommes en direct du circuit de l'Albert Park à Melbourne en Australie pour vous faire vivre la séance d'essai libre 1, la première de la saison qui comptera 21 courses. On va tout de suite parler de ce qui va se passer dans les prochaines minutes avec la découverte de pas mal de nouveautés, des transferts, des nouvelles voitures, des nouvelles livrées. Bref, on va tout vous expliquer d'ici quelques minutes. En attendant, vous avez les premières images qui nous parviennent du paddock. On va tout de suite se diriger vers la piste en compagnie de Stoffel Vandoorne qui, eh bien, suite à sa première saison, nous a privilégié cette année puisque nous allons pouvoir jouir de toutes ces conversations radio en exclusivité en compagnie de Jeff, son ingénieur. J'espère que vous allez bien. On est parti à Melbourne pour la première séance. Et la chose que vous découvrez, si vous avez une bonne vue, c'est la livrée de la McLaren qui a changé. Désormais, les McLaren arborent un orange, qui n'est pas sans rappeler les livrées utilisées lors des essais libres au début des années 2000 et à l'origine par les voitures de Bruce McLaren dans les années 60 et 70. Et cette fois-ci, c'est en partie dû à un changement de fournisseur pétrolier, puisque ce n'est plus Esso qui est sponsor, titre et fournisseur de lubrifiant pour McLaren. C'est bien évidemment désormais Castrol qui a également signé un contrat en compagnie de Renault. Renault qui a quitté Total, le constructeur français, s'est également dirigé vers BP Castrol, ce qui explique la nouvelle livrée de la Renault que vous découvrirez, nous l'espérons, un petit peu plus tard. Dans cette première séance, l'objectif est simple pour l'ensemble des pilotes du plateau, dont certains, ils vont assister à leur premier Grand Prix, comme par exemple Jordan King ou encore Lance Stroll. Et c'est ici les premiers tours de roue qui vont déterminer si l'hiver a été ou non fructueux. Et il y a une équipe que l'on va évoquer tout de suite, puisque celle-ci a bénéficié d'un petit miracle, c'est Manor. Alors la structure britannique Manor était en déficit à la fin de la saison 2016. On le savait, malgré une bonne performance, elle avait terminé devant la structure suisse-britannique, Sauber. Et du coup, Manor s'est vu faire faillite pendant l'hiver et a été racheté le lendemain par Mercedes, qui en a fait son junior team officiel. C'est désormais aux couleurs de Mercedes que va évoluer l'équipe Manor avec deux nouveaux pilotes, Jordan King, le pilote britannique. Et en compagnie de Jordan King, ce sera Felipe Nasser qui a trouvé refuge au sein de la structure Manor. Les résultats de cette première séance d'essai libre avec les deux Ferrari devant les deux Mercedes, les McLaren et les Red Bull ne sont pas loin. On constate dans la deuxième séance une petite modification, si vous avez été attentif, c'est que chez McLaren, les voitures sont oranges. On a gardé le même line-up, mais il y a un changement, c'est que l'an dernier, Stoffel Vandoorne était considéré comme premier pilote suite à ses résultats. Cette année, la voiture est actuellement la voiture de 2016. La voiture 2017 fera ses débuts à Bahreïn lors de la deuxième épreuve. Donc on devrait avoir un regain de performance d'une demi-seconde annoncé par Eric Bouillet lors de la manche de Bahreïn à Sakhir, la deuxième de la saison. Pour l'heure, la séance d'essai libre 2 est actuellement en cours et pour Stoffel Vandoorne comme pour ses petits camarades, c'est l'heure d'évaluer la composante pneumatique instaurée et apportée par Pirelli sur ce Grand Prix de Melbourne. Et il faudra réaliser 7 tours en compagnie des gommes soft pour en tirer toute la quintessence et apprendre un petit peu plus pour la stratégie qui risque d'être intéressante ce dimanche puisque la météo nous annonce peut-être quelques petits cumulus en fin de week-end, donc de quoi assaisonner un petit peu les choses dans cette première manche de la saison. Sur votre classement à gauche, vous découvrez peut-être certains noms qui vous étaient connus dans certaines équipes, mais ça risque de changer pour pas mal de monde. Et on parlait justement de Mercedes. Nico Rosberg a annoncé sa retraite suite à une nouvelle défaite face à Lewis Hamilton en 2016. Le pilote allemand a décidé de se consacrer désormais à sa famille et de changer d'horizon, une surprise qui a complètement bousculé la hiérarchie et les marchés des transferts pendant l'hiver, notamment avec Manor, avec Mercedes et avec Williams, puisque oui, Felipe Massa rempile pour une nouvelle saison avec la structure britannique. Et Williams comptera désormais Felipe Massa et Lance Stroll, le pilote canadien, dans ses rangs pour cette saison 2017. On arrive au terme de la partie la plus intéressante de la gestion des pneus pour Stoffel Vandoorne. Vous avez vu que ça s'est plutôt bien passé pour lui. Practice program over. That's all we need for now. Return to the garage pronto. Okay, Jeff, I'm coming back to the pit now. Et vous avez entendu les premiers mots de Stoffel Vandoorne. Les résultats qui sont plutôt agréables pour la petite structure Toro Rosso qui place deux pilotes dans le top 10. Le meilleur temps est donc revenu cette fois-ci à Valtteri Bottas. La deuxième séance s'est bien passée, mais la troisième beaucoup moins pour Stoffel Vandoorne.
easy on the car until we get it repaired. We don't want to risk making this worse. Et vous l'avez vu, Stoffel Vandoorne qui a percuté les barrières. Il va donc terminer cette séance sans avoir inscrit de chrono correct. C'est de nouveau Valtteri Bottas qui s'est montré le plus rapide devant les Ferrari. De quoi nous annoncer une qualification bien disputée ce samedi avec au programme un peu moins de soleil mais un peu plus d'action, on l'espère. Vous le voyez, les objectifs de Stoffel Vandoorne pour cette séance qualificative, s'inscrire au moins au cinquième rang à l'issue de la Q3 et battre Valtteri Bottas et Fernando Alonso. Samedi, séance qualificative à Melbourne, les pilotes sont chauds, les fans sont nombreux autour de l'Albert Park à s'être amassés dans les tribunes. On va assister à la première vraie séance qui comptera pour cette saison 2017 avec trois parties. Vous le connaissez certainement, ce fonctionnement avec la Q1, la Q2 et la Q3. Vous découvrez les premières images, on ne l'a pas encore vu, de la BMW Sauber, puisque BMW est désormais un investisseur plein de l'écurie suisse de Peter Sauber et de Monisha Kaltenborn, puisque le retour de Peter Sauber a été également annoncé au sein de la structure suisse. You're nearly out of fuel. Almost out of fuel. You need to pit within the next two laps. Jeff, stop talking to me in the middle of a corner. Et vous l'entendez, les premiers mots d'amour entre Stoffel Vandoorne et son ingénieur Jeff, suite au fait qu'on parlait au pilote belge alors qu'il était en plein milieu et d'un dépassement. C'était peut-être pas la meilleure idée qu'avait eu son ingénieur sur cette première séance, avec l'importance évidemment de rentrer un chrono tout de suite dans cette Q1. On découvre que le meilleur temps actuel est fait par Fernando Alonso en 1:26.897. Ça continue du côté de Stoffel Vandoorne. On reste en caméra embarquée avec le pilote belge qui s'est donc récupéré après avoir tapé le mur dans la troisième séance. La McLaren semble parfaitement au goût du pilote belge pour l'instant. Et ça continue d'évoluer avec désormais le troisième secteur. C'est toujours Alonso qui est titulaire du tour le plus rapide dans cette Q1 avec la McLaren qui, on le rappelle, est une voiture de 2016 dont les évolutions arriveront pour le deuxième Grand Prix disputé à Sakhir dans le désert du Bahreïn, avec Raikkonen désormais en 1:26.631. C'est le Finlandais, pilote de la Scuderia Ferrari, qui s'empare du meilleur temps pour l'instant dans cette Q1 dont on va découvrir d'ici quelques secondes les résultats. Voilà, avec c'est finalement Vettel qui aura battu Bottas et seulement Raikkonen. Et on terminera donc avec deux Manor et deux Williams dehors. Première séance de l'année difficile pour la structure britannique. Effectivement, Lance Stroll et Felipe Massa, un retraité sorti de son fauteuil et un jeune débutant canadien. Ce n'est peut-être pas le meilleur line-up qu'ait connu Williams ces dernières années, mais ils ont dû subir la loi des transferts et de l'argent, puisque c'est grâce aux fonds investis par Mercedes sur Valtteri Bottas que par exemple Massa a pu revenir en Formule 1. Bref, ces considérations financières étant maintenant terminées, on va se replonger dans l'action avec le tour de la Q2 pour Stoffel Vandoorne. Quand on vous a dit qu'il s'est passé beaucoup de choses au niveau de l'hiver, il n'en a pas manqué effectivement, entre le retrait de Total, le déplacement de certains pilotes inattendus, le rachat de Manor, ça fait beaucoup de choses nouvelles. On ne s'attendait pas à avoir autant de mouvements à l'issue d'une première saison intéressante pour certains, notamment pour cet homme, Esteban Ocon, le Français, qui a eu la bonne idée de quitter la structure Manor après une demi-saison intéressante, alors que là, du côté de Vandoorne, on est allé choper le plot. Vettel reprend logiquement le meilleur temps. Donc Esteban Ocon qui s'était vu offrir le baquet de Force India au grand désespoir de Pascal Wehrlein, qui se retrouve lui chez Sauber. Il a failli ne pas être là s'il était resté chez Manor. Finalement, il aurait peut-être dû. Il reste présent chez Sauber mais n'est plus pilote Mercedes. Désormais, il est sorti de la filière des jeunes pilote de la marque à l'étoile. Le deuxième tour de cette séance qualificative est terminé pour Stoffel Vandoorne. Et c'est Vettel qui s'est montré le plus rapide de nouveau. Les Mercedes et les Ferrari sont devant. Belle performance des deux Haas qui se hissent en Q3. Les deux McLaren également. Le retrait de Max Verstappen qui échoue aux portes du top 10. Tout comme Carlos Sainz. C'est un petit peu difficile. Belle performance également de Nico Hülkenberg avec la Renault pour son premier Grand Prix au sein de la structure française.
il a su se hisser en Q2 alors que l'on sait que la Renault cet hiver a beaucoup perdu en performance. Elle devrait se battre cette année, en tout cas en début de saison, avec les Sauber en fond de peloton. La troisième séance qualificative désormais est en jeu avec les 5 premières lignes de la grille de départ à déterminer qui sera en pôle. La réponse dans quelques minutes. Alors que du côté de Stoffel Van Dorn, on n'est pas loin de Fernando Alonso. Ça fait un bon lièvre à suivre puisque pour l'instant c'est lui qui a dominé son équipier dans les premières séances d'essais libres du vendredi. On rappelle que demain la menace météo est toujours présente pour la course. On devrait vivre une course avec des changements climatiques. Valtteri Bottas, 1:26.715. Est-ce que Valtteri ne serait pas en train d'aller nous faire une première pole pour un premier Grand Prix au sein de Mercedes, histoire de tout de suite calmer les ardeurs de Lewis Hamilton, passez-moi l'expression, qui se voyait déjà rouler sur Valtteri Bottas. Ça va pas être aussi simple peut-être pour le champion du monde en titre. Et c'est Vettel qui se prend le goût de la pole position pour le moment, en 1:26.298. On attend l'arrivée des deux McLaren, ça va nous donner aussi un point de vue sur la hiérarchie finale. Le classement de Van Dorn, 4e et 2e place pour Fernando Alonso. Alors, qu'est-ce que ça va nous donner cette séance? On va avoir droit au résultat d'ici quelques secondes. Alors qu'on informe Van Dorn qu'il a chuté au 5e rang, voire au 7e rang. Les deux McLaren, 6 et 7e, la première pole de la saison. Elle est pour Vettel en 1:26.298. Bien joué Sébastien. Alors que du côté de Stoffel Van Dorn, les objectifs pour cette première course de la saison sont simples. Remporter une 5e place à l'issue de la course et battre Fernando Alonso. Cela fait plus de 20 ans que l'on vient à Melbourne pour assister au Grand Prix d'Australie et l'Albert Park aujourd'hui s'est paré d'un très beau soleil pour nous accueillir. Il fait 22 degrés, mais les nuages sont présents au-dessus de Melbourne que vous apercevez dans le fond de l'image. La grille est prête, on va découvrir ensemble le tracé de cette première manche de la saison. 16 virages au programme, 2 zones de DRS qui n'ont qu'un seul point de détection, pardon. Vitesse maximale 330 km/h et un record détenu par Michael Schumacher avec sa Ferrari il y a de cela 13 ans. On va voir tout de suite les premières images nous parvenir de la grille avec les pilotes qui sont prêts à monter dans leur voiture. Mais en attendant, quelques plans des abords du circuit. Un circuit qui a fait carton plein au niveau des entrées. Vous découvrez la grille de départ encore très animée à quelques minutes du départ. Verstappen dont la qualification est déjà oubliée. C'est une 11e place pour le néerlandais, et début difficile. Pour Vettel, bonjour mademoiselle, pour Vettel ça va être un petit peu plus simple, et il s'élancera depuis la pole, on vous rappelle son temps, 1:26.298. Et vous découvrez pour la première fois la McLaren de l'extérieur et sa nouvelle livrée orange. On passe ensemble en revue la grille de départ de cette première course de la saison avec un Vettel en pôle. La troisième place de Ricardo, de quoi donner des regrets à Max Verstappen qui partira au-delà du top 10. Les Mercedes, les McLaren et les Ferrari sont ensemble, suivent après Daniel Kvyat. Les deux As sont bien qualifiés. Kevin Magnussen aux côtés de Romain Grosjean. La suite de la grille, les deux Force India sont également bien à leur affaire. La belle performance tout de même des deux Manor. Et on terminera avec les Williams de Lance Stroll et Felipe Massa qui seront très très loin, ainsi que les Renault. Ça nous promet une course assez animée parce que certains ont peut-être réussi ou raté leur qualification. On va découvrir ça tout de suite avec le tour de formation. La grille a été évacuée. C'est parti pour le premier moment important de cette course. Ok, nos systèmes de contrôle sont bons. Nous devons rester en formation et commencer à mettre la voiture à la température, s'il vous plaît. Faites un peu de load dans les tires et travaillez les brakes. Nous voulons qu'ils soient bien et chauds à la fin de la lap. Okay, Jeff, everything is fine for the moment on board, everything is fine here. Alors vous l'entendez à cette conversation radio à laquelle nous aurons droit de manière privilégiée dans cette saison 2017 avec Stoffel Van Dorn qui a accepté de nous fournir toutes ces communications, enfin peut-être pas toutes, mais une partie des communications radio avec son ingénieur Jeff. Le tour de formation est en cours avec Alonso qui a bien freiné. Ça commence déjà à s'échauffer. Alors, il y a bonne entente chez tout le monde. Pour l'instant, il n'y a pas d'équipe avec une tension particulière qui pourrait amener
à un éventuel accrochage au départ, même si on le sait que bah, ça fait longtemps que les pilotes n'ont plus roulé. Il y a eu les essais hivernaux, mais ça n'a pas non plus assouvi toutes les envies de ces garçons lors de la trêve. Et on va voir qui gardera avec le plus de retenue son énervement pour éviter le crash. On a eu pas mal d'accidents ici par le passé. On se rappelle notamment en 96 Martin Brundle qui avait absolument décollé avec Jacques Villeneuve. C'était absolument effrayant. Mais au départ, on espère avoir quelque chose de correct. On compte sur les 22 pilotes de cette grille de départ qui nous a réservé donc quelques surprises, avec notamment donc les McLaren qui sont dans le coup malgré l'absence de développement, les Haas qui sont également capables déjà d'aller chercher des points comme en début de saison 2016, et enfin eh bien, la déception du côté de chez Williams et de chez Renault. On espérait beaucoup, mais finalement la première séance qualificative de l'année est à jeter à la poubelle. Également, on sera attentif au comportement de Max Verstappen qui nous a expliqué juste avant le départ pourquoi sa voiture était en proie à des difficultés et sa 11e place était due en fait à des problèmes de moteur. Le bloc n'a pas été changé du côté de chez Renault. On rappelle qu'il est badgé Tagueyer, mais c'est bien un moteur Renault qui anime la Red Bull du néerlandais. Donc pour l'instant, pas de nouvelles du côté de Verstappen sur l'état du moteur. On espère qu'il va pouvoir redresser la barre du côté du premier freinage. Les premières voitures viennent rejoindre leur emplacement sur la grille de départ ici à Melbourne. The rest of the grid is forming up. Be patient and watch for the lights. Alors, on a la confirmation des dernières voitures qui viennent se placer sur la grille de départ. La procédure va commencer d'ici quelques secondes à Melbourne. Tout se passe bien pour l'instant. On essaie de ne pas perdre en température du côté des freins et des pneus pour les pilotes de tête. Voilà, les feux s'allument. Et la saison 2017 de Formule 1 est partie avec un bon envol de Vettel depuis la pole de Van Dorn. Également derrière, c'est bien parti pour Bottas qui va tenter de passer Lewis Hamilton. Il s'engouffre dans le premier droit et Bottas qui vire deuxième. Mais non, Hamilton résiste et Vettel s'envole déjà. C'est parti très très fort avec les deux Mercedes qui doivent résister aux McLaren et aux Red Bull. Il y a une Toro Rosso qui vient là se mêler à la bagarre. C'est très très chaud. Et Alonso va peut-être pouvoir en profiter pour passer l'une ou l'autre voiture. C'est chaud entre eux. Bottas qui ne veut pas lâcher. Ça y est, Lewis Hamilton s'est emparé de la deuxième place devant son équipier. Et on a donc Vettel, Hamilton, Bottas aux trois premiers rangs. Regardez l'écart déjà de Vettel. Alors que derrière, il y a Van Dorn qui va attaquer Fernando Alonso pour peut-être gagner déjà une position, voire Ricardo derrière les deux Mercedes. C'est dans l'herbe pour Van Dorn, mais c'est passé. Oui, Alonso qui a perdu beaucoup de temps. Il est rattrapé par les Haas et une Toro Rosso. Eh bien, ça part très très fort derrière Alonso qui était côte à côte avec Daniil Viat. Drapeau jaune, eh bien oui, drapeau jaune puisque derrière ça a touché. Et je me demande si ça n'est pas justement Fernando Alonso. On n'a pas vu pour l'instant ce qui s'était passé. Sortie du pace car. On va revoir le départ depuis l'arceau de la Mercedes de Bottas. Il s'était bien envolé le Finlandais. Ça a été chaud avec Hamilton. On a essayé à gauche, à droite. Attention au changement de ligne. Bottas qui est l'un des rares pilotes à être parti en soft. Eh oui, Hamilton qui a mieux relancé à l'issue de la première chicane. Et ici sur les freins, regardez, ça a été chaud. Ils étaient côte à côte. Regardez, derrière, on a entreaperçu le museau de la voiture de Daniel Ricciardo. Allez, le départ depuis la voiture de Verstappen. Ouais, c'est pas le meilleur départ possible pour le Néerlandais. Il va d'ailleurs même se faire prendre par, je pense, Esteban Ocon. Oui, ça passe aussi pour Sainz à l'intérieur. Oh, il y avait du monde là. Oh, et Sainz qui est allé toucher l'une des As. Je pense que c'est Kevin Magnussen et Esteban Ocon qui va réussir également à s'engouffrer devant Verstappen qui chute donc au 13e, voire 14e rang. Il y a des voitures encore à droite qui vont chercher. Regardez l'attaque, on l'avait pas vu. Ah, Perez qui est allé chercher Esteban Ocon. Julian Palmer, le pilote britannique de la structure Renault. Ça vous offre aussi une première vue sur les nouvelles couleurs de l'équipe française. Alors, le départ de Palmer, il était parti, lui, quasiment de la dernière ligne. On voit la Williams juste devant lui. Ouais, sur la droite, il y a la Sauber qui va revenir et c'est Pascal Wehrlein. On voit les deux manors dans le fond de l'image. C'était chaud avec les deux manors aussi. Et ça nous donne une... Ouais, bien joué de la part de Wehrlein qui a réussi à plonger devant Stroll et la voiture de Palmer. On retrouve le direct désormais sur l'arceau de la voiture de Van Dorn. On est toujours sous régime de safety car, mais on devrait bientôt pouvoir relâcher la meute. On rappelle le classement, Vettel en tête pour le moment. Safety car in this lap.
Et on rappelle à Van Dorn la procédure. Et effectivement, c'est bien Fernando Alonso qui a été pris dans l'accrochage. On n'a pas revu malheureusement l'accident, c'est dommage. Mais je crois qu'il y a eu contact entre Alonso et ses petits camarades, puisque Fernando est bien loin. Regardez, on ne le voit plus sur l'image. Il a sans doute... effectivement, Alonso qui est repassé par les box. On est en caméra embarquée avec Stoffel alors que l'on va relâcher la meute. Vettel qui est en train de commander toutes les voitures qui le suivent. Allez, on est avec Verstappen qui, après quelques tours, a pris un très très mauvais départ. Et le moteur de la Red Bull qui n'est pas au mieux. Oh, et bien pour cause, c'est terminé pour Max Verstappen alors que le drapeau vert est donné et que Ricardo, son équipier, se fait attaquer par Van Dorn. Verstappen qui met pied à terre après seulement 4 tours de safety car. Et Ricardo qui va devoir céder la 3ème place à Van Dorn. C'est passé. Le pilote belge qui se retrouve derrière Bottas et visiblement Vettel s'est loupé. Ah, Vettel qui s'est loupé à la relance. Et bien voilà. Est-ce qu'on n'aurait pas déjà ravitaillé du côté du leader puisqu'on a les deux Mercedes devant? Ah, effectivement, les deux Mercedes sont désormais en tête. Vettel qui a opté pour la voie des box à l'issue de la safety car. Et c'est donc Hamilton qui mène ce Grand Prix devant Bottas, Van Dorn, Ricardo, Raikkonen. Et un petit écart et on retrouve la Haas juste derrière en 6ème position. Pour l'instant, les Haas qui sont dans les points. C'est bien joué pour Kevin Magnussen et son premier Grand Prix au sein de la structure américaine aux côtés de Romain Grosjean. On est avec Kimi Raikkonen. En lutte pour un pied de podium avec Daniel Ricciardo, la seule Red Bull rescapée. Et bien voilà, le premier moteur qui aura cassé cette saison, c'est un bloc Renault. Alors que devant, vous le voyez, Stoffel Van Dorn qui est en train de résister. Tant bien que mal à Lewis Hamilton. Alors qu'on informe Stoffel Van Dorn des écarts, il n'y a pas encore de DRS, on vient seulement de quitter le régime de safety car. Et on est en bataille effectivement pour la deuxième place entre Bottas et Van Dorn. Hamilton est en train de fuir devant alors que derrière on a vu Carlos Sainz s'emparer de la position de Kevin Magnussen qui était en train de résister les deux As qui se battent avec les Toro Rosso. Ici il y a pas mal d'explications aussi entre Bottas, Van Dorn, Raikkonen derrière qui tente de passer Ricardo. Je pense que la Bottas va devoir résister à droite, peut-être au freinage, ça ne passe pas. Mais la McLaren est plus que menaçante face aux deux machines allemandes. Alonso derrière qui est reparti, qui est en train de remonter le peloton. Allez, depuis l'hélicoptère pour peut-être assister au dépassement de Van Dorn pour la deuxième place à l'extérieur. Le pilote belge se place. Et le freinage n'est pas bon, mais il peut croiser. Ça bloque les roues, évidemment. Et là, peut-être, non, il n'y a toujours pas la place pour s'infiltrer pour Van Dorn. Ça permet derrière, regardez, à Ricardo et à Raikkonen de revenir. La brochette est complète, ils sont quatre et ça rentre pour Daniel Ricciardo. Voilà, la Red Bull qui va être l'une des premières voitures de tête avec Vettel a marqué son arrêt au box. On va suivre l'arrêt de Daniel Ricciardo qui chausse des pneus hard. Ah, attention, il perd un peu de temps. Il y avait une voiture qui était sûrement rentrée en même temps que lui là. Alors qu'on est avec la fin du peloton et la Toro Rosso de Daniil Kvyat qui est bien moins à la fête que son équipier. Il est 16ème Daniil pour l'instant. Il est en train de se battre, le pilote russe, avec les Renault et les Sauber. On voit quelques stigmates sur le ponton gauche. En tout cas, 5 secondes pleines, quasiment juste. C'est l'avance que possède Lewis Hamilton sur ses poursuivants que sont Van Dorn, Raikkonen pour le moment. Et on peut y ajouter Valtteri Bottas. Va peut-être passer l'attaque à l'intérieur de Raikkonen et ça passe. Non, c'est pas fait. Oh, Raikkonen qui a failli s'emparer de la position de Van Dorn, mais c'est désormais au Finlandais de défendre puisqu'il est attaqué par Valtteri Bottas. Les deux Finnois qui s'expliquent sur la piste.
Et Bottas qui ne rougit pas face à Raikkonen. Imaginez si Bottas d'ici quelques minutes venait à faire mieux que Lewis Hamilton. Ça plonge pour la Scuderia Ferrari et pour l'équipe Haas également. On a vu derrière, je crois, Kevin Magnussen plonger. Effectivement, c'est bien le Danois qui va observer son arrêt. Qu'est-ce qu'on monte à Raikkonen ? Un deuxième train de pneus super soft pour le Finlandais. On va donc s'arrêter deux fois et on terminera avec des pneus tendres à bande jaune. Alors que Van Dorn est en train de résister à Bottas qui est très menaçant. Bottas qui a une stratégie totalement différente, tout comme Carlos Sainz. Ils sont partis avec des pneus soft. Ils vont s'arrêter donc beaucoup, beaucoup plus tard que Stoffel Van Dorn. Et dans ce 8e tour, ça devient compliqué de résister avec des pneus un peu à l'agonie. Il fait partie des derniers pilotes à ne pas avoir stoppé. Et Stoffel Van Dorn qui fait partie des derniers pilotes à ne pas avoir ravitaillé en tête. À être chaussé de pneus super soft. Et regardez, l'usure des pneus en témoigne. 50% sur l'arrière gauche. Et on a informé Van Dorn que sa fenêtre de box était ouverte. Et Bottas qui va passer. Plus que probablement. Et le Finlandais qui prend la tête. Non, ça résiste. Attention derrière parce que Sainz ne va pas se laisser compter. Bottas qui pousse limite Van Dorn dans l'herbe. Mais c'est passé. Ça y est, le Finlandais est en tête. Mais je pense qu'il va rentrer au box rapidement. Et non, ça continue pour Bottas et pour Van Dorn. Avec le DRS, peut-être va-t-on assister au retour de Stoffel. On est en caméra embarquée avec la McLaren. Allez, avec l'aide du DRS, c'est ce que lui conseille en tout cas son ingénieur. Et ces trois-là sont en tête de la course. Hein. Bottas, Van Dorn et Sainz, ce sont les trois leaders pour l'heure actuelle. Oh, il se touche ! Oh, le plongeon de Van Dorn là. Et on vit ça depuis la voiture de Sainz. Et Van Dorn qui est poussé à l'extérieur. Sainz qui passe. Voilà. La Toro Rosso est deuxième. Oh, Van Dorn qui a voulu jouer au plus malin et qui a perdu sur cette manœuvre. Ça nous laisse donc Bottas en tête devant Sainz et Van Dorn. Mais peut-être pas pour longtemps. L'attaque à l'extérieur du pilote McLaren sur l'Espagnol. Oh, il faut se laisser de la place. Oh, et Van Dorn qui insiste. Et ça passe. Deuxième place pour le pilote belge. Eh bien, c'était chaud. Surtout avec l'état de ses gommes. Il va devoir rentrer. C'est pas possible. Stoffel, il a beaucoup trop tiré sur ses pneus soft. Et regardez, quasiment 60% d'usure sur le train arrière gauche. Le pneu qui souffre le plus ici à Melbourne. Allez, on va devoir assister, je pense, à un arrêt au box rapidement pour l'équipe McLaren. Allez, on est en fin de peloton. Quoique, on n'est pas si loin que ça. On est avec la Renault qui est en lutte avec Sergio Perez. Et la Rio Box de Van Dorn. Alors qu'on informe Stoffel qu'il y a des soucis du côté de Felipe Massa. L'arrêt s'est bien passé. On a remonté des pneus soft alors que Raikkonen s'empare du meilleur tour en 1.28.9. On est quasiment 3 secondes moins vite que lors de la qualif. Great stuff, guys. Great stuff. Alors qu'on se félicite du côté de chez McLaren. La lutte pour la 9e place entre les pilotes qui ont ravitaillé. Ici, Lewis Hamilton qui est à la chasse d'une des Sauber BMW. A voir qui est devant lui, c'est Marcus Ericsson, le pilote suédois qui lui a conservé son baquet au sein de l'équipe Sauber, qui se retrouve là chassé par Hamilton en pneu dur. On voit également une autre Ferrari. Allez, Raikkonen derrière doit passer. Attention, Hamilton qui a failli se faire serrer contre le mur. Et Vettel également est en train de remonter après son arrêt très très tôt dans la course. On a vu Raikkonen au deuxième plan il y a quelques secondes. Et toujours la tête pour Valtteri Bottas qui mène donc ce Grand Prix d'Australie devant Carlos Sainz et je pense la Force India de Sergio Perez. Ah, il faudra nous confirmer ça sur le board. La troisième place, c'est bien Sergio Perez.
De ce côté-là, pas de doute, le Mexicain est pour l'instant troisième. Il est parti avec les pneus soft et il est juste devant son équipier Esteban Ocon qui doit résister. Au retour de la monoplace française. Allez, Nico Hülkenberg qui doit trouver la solution s'il veut tenter quelque chose avec la Renault. Stoffel Vandoorne bloqué derrière Pascal Wehrlein. Depuis l'hélicoptère, on voit la nouvelle décoration des McLaren. Qui a longtemps teasé sur sa nouvelle livrée. Allez, ça devrait être facile d'aller chercher la voiture de Pascal Wehrlein. Oui, à l'extérieur. Il faut quand même quasiment mettre deux roues dans l'air, mais c'est passé. Et Wehrlein qui se retrouve désormais au 15e rang derrière Stoffel Vandoorne, mais il y a encore pas mal d'arrêts à faire pour tout le monde. Allez, Vandoorne qui conclut le 11e des 29 tours de course. Et d'autres pilotes sont au box pour le moment. Valtteri Bottas qui sort de la pit lane. Alors, ils sont allés deux manœuvres. On a Lance Stroll et Lewis Hamilton qui décidément aura pris tout le trafic du monde possible sur cette piste de l'Albert Park depuis son arrêt. Alors, il n'y a pas de drapeau bleu évidemment pour les voitures devant. Ils sont en course, ils se battent pour la même position. C'est pas simple pour Lewis en ce moment. Beaucoup de trafic pour les pilotes qui ont observé un arrêt. Puisqu'ils se retrouvent derrière ceux qui n'en ont pas encore observé un. Ah, la première information météo du jour, on annonce une pluie fine dans 15 minutes à la radio du côté de Stoffel Vandoorne. Bon, on va voir si le message se répète vers les autres structures. Le leader de ce Grand Prix, Carlos Sainz Jr. avec la Toro Rosso. Toujours en tête donc, devant Sergio Perez. Et l'arrêt du leader, Sainz qui plonge. On aura mené un tour chez Toro Rosso pour le premier Grand Prix. C'est pas mal. Ils n'ont pas eu l'hiver le plus simple non plus. Et laissent donc désormais les deux Force India en tête. À moins qu'il y en ait l'une qui rentre. Alors on est prêt chez Force India justement. Et c'est Sergio Perez qui hérite de la tête de course. Le Mexicain se retrouve donc au commandement. Et il est donc parmi les derniers à ravitailler. Avec l'arrêt de différents pilotes, ça remonte tout doucement au niveau du classement. On retrouve Valtteri Bottas chassé par Stoffel Vandoorne dans le 13e tour de course. Et le pilote belge va devoir désormais s'attaquer au Finlandais qui a envie d'en découdre avec lui. Depuis l'extinction des feux. Toujours le bouchon Hamilton bloqué derrière Stroll. Et à l'image, vous avez la voiture numéro 88, celle de Jordan King pour son premier Grand Prix. Le garçon est quasiment en train d'aller chercher des points. Hein, donc il va falloir surveiller les performances des manors. Avant l'abaissement du drapeau à damier, Vandoorne qui va aller chasser. Ah, c'est dommage! On avait Vandoorne qui était en train d'aller chercher Valtteri Bottas. Attention, Hamilton qui doit passer aussi Lance Stroll parce que là, ils sont en train de se faire rattraper et par Bottas et par Vandoorne. On a vu Romain Grosjean dans le fond de l'image avec la Haas. La Red Bull qui n'est pas loin non plus, celle de Daniel Ricciardo. La voyez au fond de l'image. Allez, il faut passer là, Lewis. Et ça rentre pour la manœuvre, ça rentre pour Jordan King. Le Britannique est au box. Et c'est pas le seul, il y a une Renault également qui stoppe. Allez, ça libère peut-être Hamilton avec le DRS pour dépasser la voiture de Lance Stroll. Et ce ne sera pas pour ce tour-ci. Bagarre en quart image dans le haut de l'écran entre Hamilton et Stroll. Alors, les deux manœuvres ont ravitaillé. Ouais, Jordan King qui va se faire attaquer à l'extérieur par Felipe Nasser. Oh, Nasser qui va peut-être attaquer. Non,
Allez, on est avec Felipe. On se bat pour la 14e place, mais il y a encore des ravitaillements à faire. Et regardez ça, on se fait pas de cadeau. Cette voiture était morte il y a de cela un mois. Et ils sont en train de se battre. C'est beau, alors que derrière, on va en profiter évidemment du côté de chez Haas avec le retour de Kevin Magnussen qui pourrait, le Danois, en profiter. On est à bord de l'arceau de la voiture de Magnussen. Allez, commande Kevin. Rien n'est terminé. Devant, c'est la foire d'empoigne avec Ricardo qui est désormais devant Van Dorn. Et regardez tout ce train-train bloqué. Alors ça y est, ça va rentrer du côté de Lance Stroll qui va libérer les leaders. On a donc désormais Hamilton, je pense, Raikkonen, Ricardo et Bottas en tête. Et d'ailleurs, Bottas qui ne se prive pas de faire le meilleur tour. Et on informe Van Dorn que c'est bel et bien Valtteri Bottas le plus rapide pour le moment. Regardez les leaders et devant, c'est pas fini. Raikkonen est peut-être en train d'aller remporter ce Grand Prix si il peut se débarrasser rapidement de Lewis Hamilton avec sa stratégie de pneus. Hamilton, Raikkonen, Ricardo, Van Dorn, Bottas, ils sont là, ils sont ensemble après plus de la mi-course. Oh, Van Dorn qui va oser l'extérieur peut-être sur Ricardo, non ? On s'est ravisé chez McLaren. Et à l'intérieur, là, ça passe. Oh, attention, parce que là, on est allé sur les gendarmes couchés sur les boudins en bord de piste. Mais ça a suffi à passer pour Van Dorn. Oui, Bottas avec Ricardo sur l'extérieur, le Finlandais qui passe quasiment, c'est fait. Allez, oui, ça y est, quatrième place pour Bottas. Très joli dépassement du Finlandais qui s'empare donc du pied de podium, mais Ricardo peut revenir avec le DRS peut-être. On rappelle rapidement les abandons dans ce Grand Prix avec pour l'instant deux voitures qui ont stoppé, dont la casse moteur de Max Verstappen. Le deuxième arrêt de cette course pour Kimi Raikkonen. Voilà, le Finlandais qui va monter des pneus à des pneus médiums. C'était l'option qui était la plus intéressante, mais on a monté des hard. Alors qu'ici, on est en lutte pour la sixième place entre Kevin Magnussen et la Toro Rosso de Carlos Sainz. Et Sainz sur l'extérieur qui va parvenir à passer avec le DRS. Voilà, sixième place pour Sainz. Bien joué. Et ça n'était pas Kevin Magnussen, c'était Romain Grosjean puisque Magnussen a stoppé. Autant pour moi. Allez, retour sur la voiture de Stoffel Van Dorn. Ok, car is fine for the moment. I'm struggling a bit with the brakes, but it's okay. It's more colder than at the beginning of the race, but the car is still drivable. Et Van Dorn qui explique à son ingénieur que eh bien, la température s'est bien rafraîchie depuis le début de la course et que, eh bien, a fortiori, ça rend bien plus difficile la mise en température des freins. C'était ce qu'avait rapporté Van Dorn à son ingénieur. La tête de course pour Lewis Hamilton. On voit mal ce qui pourrait arrêter Lewis dans ce début de course. Il commence 2017 comme il a terminé 2016, c'est-à-dire à fond. Et on informe Van Dorn de l'écart qui le sépare de la tête de course qui est donc Lewis Hamilton. Et on revient un petit peu plus loin avec la lutte des Toro Rosso et des Renault. Alors que la direction de course nous annonce de la pluie légère dans 20 minutes. Alors 20 minutes, on avait un quart d'heure à la radio tout à l'heure du côté de Stoffel Van Dorn. On a peut-être des informations un peu plus précises du côté de chez McLaren. Attention ici, Lance Stroll qui attaque Raikkonen. Le Canadien et le Finlandais. Wow, que c'est chaud. Oh, et Van Dorn qui est à la dérive complètement avec ses pneus soft. 40% d'usure. Alors, le deuxième arrêt de Stoffel, va-t-il avoir lieu ou va-t-on attendre la pluie ? Ce serait pas idiot pour ceux qui ont pour l'instant stoppé une fois.
et qui sont en pneus soft. Pour les pilotes en pneus hard, pas de problème, ils tiendront jusqu'à la pluie si cette dernière arrive dans 20 minutes, mais pour d'autres, ça s'annonce un peu plus compliqué. On est avec Daniel Ricciardo qui s'explique avec Valtteri Bottas. Les quatre premiers du Grand Prix sont dans la même image, quasiment Hamilton, Van Dorn, Bottas. Alors que Van Dorn va bientôt rentrer, monter un deuxième train de super soft. Daniel Ricciardo à la chasse du podium. C'est bien indécis, hein, ce podium pour le moment. Et Valtteri Bottas qui fait mieux que se défendre dans cette première épreuve. Il est pour l'instant tout à fait capable d'aller chercher Lewis Hamilton, mais pour cela, elle doit d'abord faire sauter le bouchon Van Dorn. Avec ses pneus soft, Van Dorn qui va, je pense, tirer un maximum pour attendre la pluie. Oh, Van Dorn qui est allé au large. Attention au rappel à l'ordre de Van Dorn, parce que là, c'était limite niveau adhérence. Et si les pneus commencent déjà à flancher maintenant alors qu'il fait sec, ça risque d'être chaud après. In this case, can we just report the second stop? Report the second stop for inches. Et Van Dorn qui s'est fait piéger par Bottas alors qu'il s'informait des conditions météo. Les pneus sont en train de flancher du côté de Stoffel. La preuve avec Ricciardo qui va s'emparer désormais de la troisième place du podium. Oh, c'est pas fait. Van Dorn qui résiste. Et Stoffel qui reste troisième. Van Dorn a pris beaucoup de risques là où Ricciardo a été un peu plus sage. En tout cas, Bottas lui est bien passé deuxième. Et regardez l'usure des pneumatiques de Stoffel. Et le message est clair du côté de Van Dorn, des intermédiaires au prochain arrêt. Alors qu'ici on a Nico Hülkenberg avec la Renault qui se bat pour les points. Avec Kimi Raikkonen enfermé depuis trop longtemps derrière Lance Stroll, juste derrière. Il a réussi à dépasser le Canadien. Va-t-il réussir à en faire autant avec Nico Hülkenberg et la Renault? Le tout derrière Esteban Ocon, hein, le français qui est là bien dans les points pour le moment. Ah, ça va passer pour Raikkonen à l'extérieur, peut-être. Ça va être chaud entre le mur. Oh, le contact! Le contact avec Nico Hülkenberg alors qu'on touchait les freins. Regardez le ponton de la Ferrari qui est marqué de ce qui s'est passé. L'attaque d'Hülkenberg à l'extérieur. Drapeau jaune! Drapeau jaune, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, et Stroll qui va passer! Et Lance Stroll qui passe. Et regardez Alonso qui revient. Alonso qui est aux portes des points. Drapeau jaune dans le troisième secteur. Et on n'a pas vu passer Hamilton. On n'a pas vu passer Lewis Hamilton sur notre transpondeur. Est-ce que Lewis ne se serait pas arrêté en piste? On va vérifier ça dans quelques instants. Mais il a disparu de nos écrans. C'est peut-être sans rapport, mais ça paraît bien louche. Et on attend de la pluie dans 10 minutes selon la direction de course et les informations météo qui nous parviennent. Alors que là, on a une lutte avec un Fernando Alonso en pneus soft qui est en train de faire un festival, tout simplement. Et il va devoir aller chercher la Renault de Nico Hülkenberg s'il veut déjà marquer un petit point. Eh non, Hamilton qui est toujours là, il est en tête. Alors, je ne sais pas d'où vient la voiture qui a provoqué le drapeau jaune. Et Ricciardo, très menaçant sur Van Dorn. Van Dorn qui attend la pluie, mais il ne faut pas l'attendre trop longtemps, ça risque de coûter cher à McLaren, cette pluie fine. Et Kimi Raikkonen qui continue également d'attaquer sur nos écrans, il est en train de mettre les deux premiers meilleurs tours en course. Vous voyez passer Bottas, Van Dorn et Ricciardo. Regardez Van Dorn qui est très très large, on a entreaperçu Carlos Sainz derrière. Là, McLaren va subir le DRS de la Red Bull Renault. Et l'attaque de Ricciardo qui passe.
Ah ouais, c'était logique, évidemment, comme dénouement après avoir vu l'état des pneus de Van Dorn, que Ricardo allait passer. Et on peut encore espérer le podium du côté de McLaren. Et on peut surtout espérer d'y mettre les deux voitures sur le top 10. Parce que là, Alonso est bien revenu derrière. Et on informe Stoffel qu'il peut consommer du carburant s'il en a besoin. Et on nous annonce de la pluie dans le troisième secteur et ça rentre! Alors attention parce que ça rentre et pour Ricardo et pour Van Dorn. Et je crois qu'on a des pneus intermédiaires. Oui, ça y est, il y a de la pluie qui arrive. Vous le voyez sur l'écran dans le troisième secteur. Il y a des gouttes sur les vitres de notre cabine. Est-ce que Stoffel va partir en intermédiaire? Est-ce qu'il va rester en sec? Ouais, c'est des super soft pour Ricardo. Et des intermédiaires. Des intermédiaires pour Stoffel Van Dorn. Les prochains tours vont être difficiles parce qu'il n'y a pas encore beaucoup d'eau sur la piste. Mais on a fait le choix des gommes pluie pour la structure McLaren alors que Van Dorn va repartir, je pense, juste derrière Alonso. Et non, Alonso qui est en lutte. Alonso qui est 8ème. Et il va aller chercher la Force India d'Esteban Ocon au freinage. Oh, est-ce que ça peut passer pour le pilote espagnol? Il est aidé évidemment par Van Dorn qui est en difficulté avec ses pneus et qui va aider bien évidemment. Oh, attention Alonso, il n'y avait pas la place pour mettre les deux McLaren sur la piste. Et là Van Dorn qui a joué le jeu d'équipe parce qu'il est complètement à la ramasse avec ses pneus intermédiaires. Il a laissé passer Alonso et a empêché Ocon d'en profiter. Et là il va jouer le bouchon pendant quelques tours mais ça continue de pleuvoir. Vous voyez les gouttes qui commencent à tomber sur la caméra. Mais ça paraît bientôt pour des intermédiaires en ce moment. Van Dorn qui glisse beaucoup, vous le voyez. Il a arrêté complet Van Dorn pour le moment. Et Lewis Hamilton qui boxe. L'arrêt de la Mercedes de tête. Va-t-on monter des intermédiaires à Lewis? Eh oui! Ce sont les pneus à flanc vert qui attendent le pilote britannique. Allez, le champion du monde qui repart. Bel arrêt du côté de Mercedes. Et on va rentrer aussi pour tout le monde. Ça y est, ça commence à être nécessaire de monter des intermédiaires. La direction de course qui désactive les roues arrière mobiles en cas de conditions de pluie. C'est désormais chose faite. Et Alonso qui est 6ème avec des softs. Alors Bottas lui continue avec des slicks évidemment. On ne peut pas faire rentrer les deux voitures chez Mercedes. Bonne pioche également chez Toro Rosso avec Sainz qui repart pour l'instant 3ème. Ah, et voiture de sécurité. Voiture de sécurité en piste. Qu'est-ce qui s'est passé? Et Van Dorn qui se retrouve coincé derrière la Mercedes. C'est pas bon ça. Est-ce qu'il peut la dépasser? Je ne connais pas le règlement. Oh, et Van Dorn qui n'est pas content et pour cause, il a perdu du temps, il est resté bloqué derrière le pace car qu'il pouvait dépasser. Eh bien, la fin de cette course s'annonce assez animée. Avec la montée en piste de la voiture de sécurité. Safety car in this lap. 26e tour de course, ça fait 4 boucles que nous sommes sous régime de voiture de sécurité. On va libérer la meute. Et vous le voyez, les deux McLaren sont dans les points. Et pour l'instant, Valtteri Bottas est en passe de remporter son premier Grand Prix pour Mercedes. Et ainsi peut-être être leader du championnat. Attention à Van Dorn qui se place à la hauteur de Sainz. Eh ben oui, évidemment, on va pas l'en empêcher tant qu'il ne le dépasse pas. Voiture de sécurité, désormais voilà dans la pit lane. Et Bottas qui va lancer la meute. C'est reparti pour 3 tours de sprint avec Van Dorn à l'extérieur. Et la ligne de safety car qui est passée. Et la McLaren qui va s'emparer peut-être du 3ème rang, c'est fait. À l'extérieur, il y a Raikkonen derrière qui va tenter sa chance pour créer une 3ème ligne au premier freinage. C'est très très chaud. Est-ce que ça va passer? Il y a beaucoup d'eau. Et c'est le contact. Et Raikkonen qui sort la voiture de Carlos Sainz. Les deux voitures sont dans le bac à gravier. C'est terminé.
et ça va profiter à d'autres pilotes derrière, comme par exemple Fernando Alonso qui n'espérait pas ramener autant de points après l'accident du premier tour. Les deux Mercedes sont partis et Alonso est quatrième. Les deux McLaren qui viennent de s'emparer des 3 et 4e positions derrière Ricardo, Perez. Ils sont en train de flancher. Il y a une Manor également qui doit être dans le top 10. Eh bien, c'était calme. La pluie est venue chambouler toute cette hiérarchie. Jeff, are we able to reach the finish line with the rich mix? There's 4 laps of fuel remaining. Et Stoffel Vandoorne qui s'informe sur la consommation de sa voiture. Bottas en tête avec Hamilton qui le chasse. Va-t-on verrouiller les positions chez Mercedes? Ça n'est pas le genre de la maison, mais on peut s'y attendre après... quelques soucis l'an dernier. Est-ce qu'on va laisser Bottas gagner son premier Grand Prix? Je pense que médiatiquement ça peut être bon pour la structure de Woking. Et regardez, il y a la Manor. Il y a la Manor derrière. Oh, le contact entre eux, je crois, Daniil Kvyat et Julian Palmer. Et voilà Palmer qui quitte le top 10 et qui est sous la menace désormais de Jordan King. C'est Felipe Nasser avec la Manor, le pilote qui n'avait pas de volant il y a encore 3 semaines, qui est en train de ramener des points pour Manor. Incroyable cette fin de course. Ah, et les deux Williams qui sont là derrière, malheureusement, ça ne sera pas suffisant, je pense. Et on va entrer dans les dernières boucles, l'avant-dernier tour avec toujours Bottas en tête devant Hamilton. 4 dixièmes entre les deux Mercedes, c'est très très chaud. Et derrière Van Dorn qui a lâché complètement tout espoir d'aller chercher la victoire. Mais par contre, il va falloir résister à Fernando Alonso qui revient très très fort depuis que les conditions sont humides ici à Melbourne. Et ça s'annonce chaud, ça glisse pas mal, vous le voyez aussi. Regardez la voiture numéro 88, c'est Jordan King qui est en train pour son premier Grand Prix d'aller chercher, je pense, Julian Palmer. Ils sont dans les points, hein, ceux-là. Ils sont dans les points. Il va falloir qu'on fasse le décompte à l'issue de ce premier Grand Prix parce qu'il va y avoir des choses intéressantes dans la hiérarchie, notamment au classement constructeur. Allez, on retourne avec... la bagarre pour la troisième place qui oppose les deux pilotes McLaren. Rendez-vous compte, Alonso qui était au box à l'issue du premier tour. Après un accrochage. Et ici c'est Lewis Hamilton qui chasse Valtteri Bottas pour la victoire. Et ça revient très très fort pour Fernando Alonso derrière. Alors qu'en tête la lutte est toujours aussi intense. Mais je pense que Bottas va remporter ce Grand Prix. Valtteri Bottas qui va peut-être s'imposer pour sa première course au sein de l'équipe Mercedes. Ce serait beau, ce serait une belle histoire. Alors il faudrait retourner dans les archives pour voir un petit peu qui avait fait victoire avec sa nouvelle équipe lors du premier Grand Prix. Et Van Dorn qui va chercher l'eau, évidemment. Ah, alors qu'on demande à Alonso de rester derrière pour Van Dorn. Bon, alors ça ira au bout pour Van Dorn, c'est désormais sûr. Mais est-ce que ce sera le podium pour Van Dorn ou pour Alonso? Ah, ça va coûter cher à mon avis cette troisième marche. Et Van Dorn qui est quand même bien parti pour aller la ramener celle-là. Alors que du côté des monoplaces noires, désormais, on ne l'a pas évoqué, mais la nouvelle livrée également des Mercedes qui sont cette année beaucoup plus noires. Le dernier tour pour Valtteri Bottas qui va plus que probablement remporter son premier Grand Prix en Formule 1. Après une saison 2016 marquée de haut et de bas avec nombreuses casses moteurs sur la Williams. Peut-être la révélation et le déclic dans la tête du pilote finlandais. Les derniers virages, pour lui, ça va y arriver. Ces carreaux noirs et blancs, tout au bout de la ligne droite, il va aller chercher du regard, croyez-moi. Le dernier virage, à droite, et la dernière réaccélération. Le Grand Prix d'Australie est remporté par Valtteri Bottas pour sa première course au sein de Mercedes, c'est fait! Doublé des flèches d'argent à Melbourne, c'est désormais est terminé. Et bien voilà, les deux Mercedes concluent en tête. Alors on va retourner derrière, un peu plus loin avec Van Dorn qui doit résister sur la ligne.
Et c'est le podium pour le pilote belge au nez et à la barbe de Fernando Alonso. Bien joué. Good job, you did really well. Super driving. Thank you, Jeff. It's the first podium of the season. Good start for us. Bring on 2017. Eh bien, en tout cas, ce que l'on peut dire, c'est qu'on est enthousiaste du côté de chez McLaren avec un très très bon résultat. Et on a hâte de voir Bahreïn. Ce sera la deuxième manche et McLaren aura reçu ses nouvelles évolutions. Valtteri Bottas, vainqueur du Grand Prix d'Australie. C'est désormais chose faite. On est content chez McLaren aussi. Chez Mercedes, on va pouvoir sortir la caisse de champagne qu'on a juste eu le temps de mettre au frais pour l'hiver. Le podium de ce premier Grand Prix avec donc Valtteri Bottas qui remporte la course devant Hamilton et Stoffel Vandoorne. Et dans quelques instants, la douche de champagne qui, voilà, débute. Et bien voilà, 2017 est lancé d'une bien belle manière avec de nouvelles hiérarchies. Et ça risque de se jouer pour très peu de choses du côté de Bahreïn, la deuxième manche. On jette ensemble un coup d'œil au classement final de cette épreuve avec eh bien, des pilotes qui ont quand même fait 3 stops pour revenir aussi haut dans la hiérarchie. L'abandon de Marcus Ericsson, de Verstappen et donc de Sébastien Vettel, évidemment, après le premier passage de la safety car. Le classement général, Bottas et Hamilton mènent devant Van Dorn et Alonso, c'est logique. Et quand même, des points pour Jordan King et la Manor. La Manor qui se place donc 6e du classement constructeur. Un petit point sur les évolutions techniques et le classement. Regardez où sera McLaren lors de la prochaine épreuve, ça promet. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi la première course de cette saison 2017 de Formule 1. J'espère que l'action en piste vous aura plu et je vous donne rendez-vous très vite pour le Grand Prix de Bahreïn où les McLaren vont disposer d'une toute nouvelle voiture et ça risque d'être animé. Merci à toutes et à tous et à la prochaine. Salut.